Bonjour, je m'appelle Hernandez Florian, je travaille dans une société qui s'appelle La Toison Dorée, spécialiste dans la fabrication et l'installation d'isolants naturels. Aujourd'hui, je vais vous expliquer quels sont les différents types d'isolants. Aujourd'hui en France, nous avons la possibilité de choisir entre trois familles d'isolants. Premièrement, les isolants minéraux, que nous pouvons trouver depuis maintenant des dizaines d'années. Puis nous avons les isolants de type végétal. Et puis nous avons également les isolants de type animal. Tout d'abord, nous allons voir la famille des isolants minéraux. Ce sont des isolants qui sont utilisés depuis des dizaines d'années, qui ont fait leurs preuves et qui sont très performants au niveau de la protection contre le froid, moins performants contre le chaud, et leur gros inconvénient, c'est le risque sanitaire avec des risques cancérigènes. Et on en parle de plus en plus, mais pour l'instant, nous n'avons pas de valeur concrète. Pour les isolants de type végétal, comme le coton, vous avez la possibilité d'avoir un isolant qui est aussi performant pour le chaud, pour le froid, mais surtout son gros avantage, c'est sa longévité. Car c'est un des produits les plus légers aujourd'hui en isolation, en moyenne entre 3 et 3,5 kg au mètre carré. De ce fait, vous avez un produit qui ne se tasse pas et donc qui a une durée de vie beaucoup plus importante que les autres isolants. Les isolants de type animal sont des très bons produits. Au niveau thermique et au niveau phonique, leur seul inconvénient, c'est reste aujourd'hui, ce sont tout simplement leurs coûts. Ce sont des isolants qui sont un petit peu plus chers, mais qui font leurs preuves au quotidien. Voilà, j'espère que vous avez compris les différences que vous avez entre les différents types d'isolants. N'hésitez pas à contacter un professionnel pour avoir plus d'informations.